Every day. Tu as un passé. Sèche. Depuis la tu de l'homme tu es sur l'église, que tu prends pour épouse, ta sœur adorée Danielle, Déborah, ici présente. Tu le veux encore? Oui, je le veux. Oui. Ah. Alléluia. Voici Guy Serge Maxime, doctorant en lettres modernes et de Badoboué Daniel Deboa, étudiante en master 2 d'anglais et deuxième année d'informatique. Tout a commencé il y a 2 ans de cela dans leur église. Le frère Maxime, étant en quête d'une relation sérieuse, a remarqué Deboa, une fille très sérieuse, toujours calme dans son coin, qui vient à l'église et qui prie le Seigneur comme il se doit. Or ça, c'est le genre de femme que Maxime aime. Étant le photographe de l'église, il voulait user de son influence pour l'aborder, mais la voyant en une fille calme, il avait peur, parce que ce genre de filles-là, elles ont mal fini avec bouer les gens. Donc c'est comme ça qu'il est resté jusqu'à il a tourné en rond, et le Seigneur dans sa puissance s'est manifesté. Un coup comme ça, Déborah est tombée malade. Donc le frère Maxime a profité de ça pour prendre son numéro avec l'une de ses camarades pour l'appeler et lui souhaiter bonne guérison. Et c'est dans bonne guérison là on est là, ça fait maintenant 2 ans. Tant mieux, faut voir. Maintenant la question que nous on se pose là. Donc si Déborah n'était pas tombée malade, elle n'allait pas rencontrer son homme quoi. Comme je le disais, au début le frère Maxime avait peur de s'approcher de la sœur Déborah. Parce que les filles calmes là, elles ont mal fini avec bouer les gens. Donc quand elle est tombée malade, il a commencé à avoir causerie avec elle. Maintenant dans causerie là, déjà le gars avait raison. Elle avait fini avec mal le bois par SMS. Le gars lui écrit à 9h, elle répond à 17h. À un moment, elle a commencé à avoir. Le gars là, on dirait qu'il sait ce qu'il veut. Hein. Il est sérieux, il n'est pas immature. Genre il a la tête sur les épaules quoi. C'est dans ça qu'elle lui a donné sa chance. C'est d'en donner chance là aujourd'hui là. Les gars ambitionnent d'avoir 3 enfants. Tant même faut voir. Best man, faut mettre ta bouche dedans aussi. Et c'est il y a 2 ans de cela que on habitait ensemble même. Quand tu m'as parlé de la jeune demoiselle. Mais tu vois quand quelqu'un est amoureux, il parlait avec une telle ferveur et tout ça. Je lui ai dit attention mon gars, si tu veux, pour ne pas que quelqu'un passe dans ton dos là. Faisons les choses de manière formelle en fait. Donc on a fait les démarches et puis aujourd'hui, on est ici. Ce qui me plaît chez lui, lorsqu'il veut quelque chose, il va jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne va pas, il n'y a rien pour le décourager en fait. Il n'y a pas de situation qui va venir. S'il a un objectif, il va l'atteindre. Et il a atteint son objectif. Ce que je peux dire, c'est que je pense qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Va bien. Je le dis toujours, avec Dieu, on ne peut jamais échouer. Même si il a eu des moments un peu baissés, peut-être un peu échoué. Selon la société. Et avec Dieu, c'est un succès. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est que on ne va pas avoir peur de s'engager. Parce que c'est ça un peu le problème. Souvent, on a peur de s'engager. Et je crois qu'avec Dieu, on peut tout faire en fait. Dieu, en Jésus-Christ. Mon conseil pour un jeune se marier, c'est que la Bible dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vont nous aider. Comme l'a dit le frère Maxime, avec Dieu là, on tape jamais un poteau. Si un peureux comme lui a pu avoir femme d'enfer de Dieu là, qui êtes-vous pour ne pas faire le premier pas? Les gars, allons-y à l'église, hein? Allons-y à la mosquée. En tout cas, partout où il y a Dieu là, allons-y là-bas. Allez là, on ne sait pas où le doigt peut sortir. C'est tout. On se prend à la prochaine. Longue vie au couple Yahoo.